voici donc au parking du pont de la Serre. On risque de ne pas m'entendre parce que j'ai mis la housse, la coque pour l'appui. On va monter au lac de Ligné. Merci. Donc là je vais prendre à droite le lac de Ligné par Mouriès. Et demain je redescendrai par l'autre vallon. Voilà. Ça commence à monter, petit raidillon, toujours en longeant le torrent de la Lance et les jolies cascades. Mais c'est assez dur à prendre en photo. J'en ai pris deux ou trois, je sais pas ce que ça donnera, au cas où je verrai demain. Là, le but c'est quand même d'arriver au lac tranquillou et de se poser là-haut. Les cascades seront toujours là demain, on verra. Allez. Je sais pas si j'aurais réussi à prendre une photo parce que j'ai fait n'importe quoi avec la GoPro. Je croyais qu'elle était en mode vidéo, mais elle était en mode je ne sais quoi. Mais en fait là j'ai juste je sais pas, une petite dizaine de, je pense que c'est des vautours, mais j'y comprends rien, un oiseau qui viennent de s'envoler là. C'était assez sympa, enfin plus qu'assez sympa même, c'était majestueux, mais forcément je les ai ratés. Voilà, ceci explique sûrement le fait qu'il y ait des vautours de partout. Alors il y en a un qui pense qu'on en parle, il y en a quelques-uns encore là-haut. Je vais essayer de les choper. Je vais mettre la télé et essayer de les choper. Voilà, j'ai fait deux photos des vautours qui ne donneront rien parce que j'ai que le 200. Surtout je suis pas bon à ça, et qu'ils se détachaient pas assez bien du fond là où ils ont décollé. Mais bon, c'était sympa. Voilà le vallon, peut-être par où je vais redescendre demain, je sais pas, on verra. Il y a des randonneurs en bas, les premiers que je vois. C'est beau ce que je dis, non? Chercher un coin pour planter la tente et après l'image. Bon, voilà, la tente est montée juste au-dessus du lac au niveau du col de Ligné. Ben on va attendre tranquillou la lumière. Je vous fais visiter l'intérieur si vous voulez.
quelques images. Le coucher de soleil n'était pas terrible. Ça manquait un peu d'ambiance, quoi. Il n'y a pas de nuages. Enfin, les seuls nuages, c'est les traces des avions. Il y a quelques nuages sympas là-bas au fond, un peu des lenticulaires. Mais bon, voilà, ils sont trop loin. Je veux qu'ils soient au-dessus des sommets, juste en face. Mais bon, tant pis. On va attendre encore un peu. Donc il est 19h23. La popote est en train de chauffer. Au menu ce soir, du poulet au curry. Voilà, avec du riz. En attendant, un peu de saucisson. Il y aura. Emballé, on va boire un coup d'eau et puis on va attaquer à la descente tranquillou. Je pense que je vais repasser par là où je suis monté hier pour peut-être faire quatre images des cascades en bas. On verra. Au fond, les lacs. Ben, en fait, ça faisait un petit moment qu'on voyait des nuages accrocher quelques sommets. Et puis, ça s'est couvert d'un coup. Voilà. Bon, me voilà redescendu au niveau des Mélèzes, juste au-dessus des cascades. Donc, on va descendre aux cascades, voir s'il y a quatre images à faire, vu que c'est couvert. Le contraste sera moins important, ça peut être mieux qu'hier matin. Et voilà. Je ne sais pas ce que ça donnera.